Woodstock en bosse cette année. Cette année, encore une fois, pour ma part, c'est la sixième fois que je vais à Woodstock en bosse. Et à chaque fois, c'est le fun. Et je pense que cette année, c'est encore plus fun que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que les gars d'Alcoolica, ils m'ont filé des champignons. Ah ben, non, écoutez, non. Vous pensez rien qu'à la drogue, vous autres. Moi, je pensais au sexe, messieurs, dames. En parlant de sexe et drogue, ça peut penser à la vague hippie des années 60. Et, vous savez, ça fait 40 ans cette année qu'a eu lieu à Montréal le bed-in de John Lennon et Yoko Ono. Je sais pas, les plus vieux d'entre vous se rappellent peut-être de ça. Puis les plus jeunes, je vais vous expliquer c'est quoi. John Lennon, qui était le chanteur des Beatles, puis Yoko Ono, sa femme, sont allés à Montréal une fin de semaine. Puis ils ont dormi dans un lit, dans un hôtel luxueux à Montréal. Le Ritz-Carlton ou je ne sais quel hôtel. Et puis là, ils ont parlé de paix pendant quelques jours. Mais c'est pas formidable! C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y a des gens qui pensent que Yoko Ono et John Lennon, ce qu'ils ont fait, ça n'a rien fait pour faire avancer la paix. Eh bien, moi, messieurs, dames, je suis pas d'accord avec ça. Puis moi, j'ai décidé, inspiré par eux autres, de faire ma part, moi aussi, pour la paix. Alors, au lieu de me coucher dans un lit et de faire des bed-ins pour la paix, moi, j'ai plutôt décidé ce soir de boire de la bière pour la paix. Au lieu de faire un bed-in, je me fais une bédane pour la paix. Alors, j'ai résumé ma philosophie de l'engagement éthylique dans une chanson formidable qui saura vous émouvoir et qui s'appelle Résistance Festive!
C'est comme si, 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 c'est comme si,